La fraise est l'un des cépages historiques piémontais. Il a de peu fêté 500 ans. Il est cultivé sur quasiment tout le territoire, entre Bielle, Pignerolles et dans la région de Asti. Mais c'est sans doute au milieu des collines de la zone de Chieri qu'il a trouvé son habitat idéal. Ce cépage est documenté dès 1517. Autrefois, la fraise était appréciée de par sa fraîcheur et son côté pétillant, alors qu'aujourd'hui, on la rencontre dans sa version plate, élégante et charpentée. À côté de cette version, nous trouvons deux autres cépages rouges, toujours dans les collines de Turin, le Cari et la Malvasia. Il Cari e la Malvasia. Dans sa version plate et surtout supérieure, la fraise se marie parfaitement à des plats issus de la tradition de la colline de Turin, comme la battuta ou la scottata. Accompagnée avec des rubata, les graissins typiques de la colline. Tannique, élégant, à la robe rubis tendant au grenat, c'est un vin qui acquiert de l'équilibre après quelques années de garde. Le côté sucré de la colline de Turin est tout à la faveur de la Malvasia. C'est un cépage qui remonte au Moyen-Âge. C'est un vin aromatique, intense, à la robe d'une belle couleur. Il ne se marie pas seulement à des plats d'été. Sa rondeur et les senteurs intenses de baies rouges épousent très bien les gâteaux, et en particulier ceux piémontais. Et anche direi fuori confine regionale. Le Cari est un cépage aromatique. Il n'existe que dans la colline de Turin. Vin aux origines anciennes, peu acide, parfumé, il accompagne parfaitement toutes les recettes de pâtisserie. Mais ce vin est remarquable en ce qui concerne l'équilibre et l'aspect gouléant. Santé! Buonissimo.